Regarde tes filles, qu'est-ce qu'elles sont grandes maintenant. Mon chéri, on se fait du souci pour toi. Allez, va t'évader. Vous faites partie de ces veuves, pères de 3 enfants, qui pourchassent dans les librairies les femmes trop confiantes. J'ai fait une rencontre ce matin. Et c'est pas quelqu'un de banal. Bon alors, comment elle est, hein? Elle, Dan. Je te présente ma copine Annie. Annie, je te présente mon frère, Dan. J'ai jamais utilisé le terme canon pour te décrire. Ah, génial! Je vous y prends tous les deux. Je m'appliquerai à concentrer mon attention sur tes défauts. Et lesquels? J'en ai aucune idée, mais pas d'inquiétude, je vais les trouver. J'ai demandé à Nana. C'est occupé, je suis là. S'excuse, t'allais prendre une douche? Oui, je prends une douche, tu vois. On va passer au salon. Allez, venez, tout le monde. Non, toi tu restes. Tu feras la vaisselle tout seul. Routy Draper doit passer te prendre à 6h et vous irez boire un verre. Non, pas question que je sors. M'attendez pas. T'as fait sauter le bouchon? Que tu t'obstines à te conduire comme un adolescent de 15 ans, ça me dépasse. Je suis envahi par un désir aveugle. La vraie question, c'est est-ce que Dan retrouvera un jour l'amour? T'es sûr que ça va? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?